give what you take, and that's all I gotta know. You keep bringing me pain, I can't do this anymore. I can't live with the way that you kill me on the low. Told you all those mistakes, finna catch you, girl, I know. When you call on my phone, you ain't never right. Got me numb to the core, switching every line. Like them doors, I think loving you is suicide. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de recevoir un colis de chez Masterize. Donc c'est un chrono GPS qui va permettre de prendre lors de vos sessions MX tous les chronos que vous faites, voir les vitesses aux différents endroits du circuit, voir votre vitesse moyenne, vitesse max. Donc je vais vous faire un petit unboxing. Donc déjà on a le boîtier. Ensuite on retrouve une notice en français. On a également un support caoutchouc avec scratch pour pouvoir fixer le boîtier sur la moto. Donc on le fixe soit sur la mousse du guidon, soit sur la fourche. On retrouve également une pochette en tissu pour pouvoir stocker le boîtier. Et à l'intérieur, le câble de chargement USB pour recharger le boîtier. Et pour finir, des stickers pour pouvoir pimper la moto. Une fois que vous avez le boîtier, il vous faudra télécharger sur le téléphone l'application Masterize qui est disponible sur l'App Store et le Play Store. Ensuite, il vous faudra créer un compte, donc adresse mail, mot de passe, nom, prénom, enfin ça va très vite, ça prend 2 minutes. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous devez associer le boîtier à votre application. Donc pour ça, vous démarrez le boîtier. Donc pour le démarrer, on appuie 3 secondes dessus. Ensuite, sur le téléphone, on active le Bluetooth, la localisation sur Android. On recherche le boîtier et on le sélectionne une fois qu'on l'a trouvé. Et c'est bon, vous êtes prêt à aller rouler. Une fois que vous êtes au circuit et que vous avez fixé le boîtier sur la moto, vous démarrez le boîtier. Vous attendez que la lumière verte arrête de clignoter. Elle clignote environ 30 secondes le temps que le boîtier trouve le GPS. Une fois que le boîtier a trouvé le GPS, la LED reste au vert fixe et vous entendez un bip sonore. Et donc vous pouvez démarrer l'enregistrement. Donc pour ça, vous n'avez qu'à appuyer un coup. Et il se met à clignoter rouge-orange là, ça veut dire que l'enregistrement a commencé. Vous faites votre session et une fois que vous avez fini, vous arrêtez. Donc une fois que vous avez arrêté l'enregistrement, il vous faut synchroniser les données sur l'application. Et ça va vous sortir une page comme ça. Je vais vous montrer la session que j'ai fait le week-end dernier avec, que j'ai essayé en Navès. Et ensuite, vous avez le résumé de la session, donc le meilleur temps, la vitesse max, la vitesse moyenne, la durée de la session. Les conditions du circuit, donc ça c'est vous qui les remplissez, donc si c'était humide, sec. Et vous pouvez également voir tous les temps autour, donc tour 1 là en 2 minutes par exemple, tour 2 une 56, tour 3 2 minutes. Et vous pouvez sur la vue GPS voir la vitesse aux différents endroits du circuit, donc en vert les parties rapides, en rouge les parties plus lentes. Et on peut faire tour par tour, voir où est-ce qu'on est passé, voir où on est passé plus vite et moins vite, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc pour ceux qui veulent progresser, avoir un suivi, un historique de leur session, c'est vraiment top. Et ça permet aussi d'éviter les problèmes. Vous savez, quand vous demandez à un pote de prendre les chronos pour voir qui est le plus rapide et qui, quand c'est à vous, vous défavorise. Il commence le chrono avant, l'arrête après. Au final, on ne sait pas qui c'est qui a le meilleur temps. Là, si vous êtes plusieurs à l'avoir, vous pouvez faire des challenges sur l'application, voir les chronos et voir vraiment qui est le plus rapide. Et en plus pour vous, j'ai un code promo dans WIM217, vous bénéficiez de 10% sur le site Masterize. Donc je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas à aller checker ça. Et sur ce, je vous reprends au prochain roulage que je vais faire pour vous le mettre en place avec vous, le mettre en marche. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Allez, on se retrouve en track. On se retrouve au terrain, donc au Champ Natural Park, on est revenu, on devait aller à Saint-Tibéry, c'était fermé, donc désolé, on revient au Champ Natural Park. J'ai déjà fait 2 sessions, donc j'ai pu essayer la piste, ça va pas trop loin, ça glisse un petit peu. Donc on va tester le boîtier, on prend des chronos aujourd'hui, je l'ai mis en place sur le guidon, donc avec le petit support caoutchouc et le scratch là, comme vous pouvez voir. On va prendre les chronos là, cette session, pour voir s'ils se rapprochent de ceux de l'élite. Et toi, si les chronos sont pas bons, on peut toujours dire qu'on a le style en piste, grâce à WDMX. Le code promo toujours valable, donc WIM217. Je vous mets tout le lien en description, donc n'hésitez pas à aller checker leur Insta, Facebook, vous avez tout en description.
Je vous reprends avec la GoPro là pour aller faire les chronos. Hein. Donc là je vais démarrer le boîtier, donc comme je vous ai dit on a plus 3 secondes dessus. Il va clignoter pendant 30 secondes tant qu'il trouve le GPS. Et une fois qu'il l'aura trouvé, la LED sera en vert fixe comme j'ai dit. Et on pourra commencer l'enregistrement. Donc le temps, je vais mettre le casque. Les lunettes les gars. C'est bon, on a eu le bip sonore, la LED est verte, on peut enregistrer. Donc là j'ai jamais roulé au chemin avec, donc il va falloir rentrer la piste après, donc je vais vous montrer, je vous reprends à la fin de la session pour vous montrer comment on fait. Tout simplement. Donc on se retrouve vu du casque. Ouais. Je vous reprends sur la moto dans le boîtier là, le GPS a été trouvé. Donc pour le démarrer, on commence l'enregistrement, on appuie une fois dessus. Il se met à clignoter orange là et c'est bon, ça commence à enregistrer. Je l'arrêterai à la fin de la session et on enverra les données sur l'application et je vais vous montrer pour créer le nouveau tracé et on verra les chronos, hein. Si les chronos parlent ou s'ils parlent pas. Il est tombé, j'ai sauté. J'ai pris la moto. Ça va où? Côte un peu, mais ça va. J'ai pas pété le casque, rien. Non, pas de GoPro au travers là, par contre. Ça, c'est la pire prise. Bon, ben on va aller checker la moto. Bon, du coup, on va arrêter l'enregistrement sur ça. Oh les chronos. C'est lui qui l'a fait tomber elle en plus. Ah ouais? Oui. Bah filme les souvenirs William. Alors on check les... Ouais, gros, après le crash. Situation naturelle. Non, on va voir la vue GoPro mais là gros volume. Ça faisait longtemps qu'on avait pas pris un mais là. La GoPro. Ah j'ai la GoPro. Oh là, j'avais la crache. GoPro. La gros gros. Ça part de là. On va voir les... On va quand même regarder les chronos. On va checker la moto, checker qu'on soit rien fait. Pas fait mal mais bon le compte est quand même là. Aïe aïe. Bon, et par contre, point positif, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, le boîtier, regardez, regardez. Après un gros volume, le boîtier est toujours en place, ça n'a pas bougé. On va voir quand même les chronos avant, ce qui s'était passé. 2-3 bons tours, mais... Enfin, on va voir la vue GoPro, je vous mettrai la vue GoPro.
C'est un des plus gros volumes que j'ai pris, ça, je pense. On vient de finir cette session en demi-teinte après 2-3 tours chrono et un gros volume. On va exporter quand même les données des. C'est vrai qu'il y a un peu plus de terre sur la tête. Un peu plus de terre. On va exporter les données. Il y a plus de... On va exporter les données du boîtier à l'application. Donc là, j'ouvre l'application. À l'accueil, je fais synchroniser. Là, on entend le boîtier qui bip. Ça va me proposer la session que j'ai fait. Donc là, on voit samedi 13 novembre. Là, télécharger, configurer, je fais. Ça va télécharger. Je vous reprends après le téléchargement. Une fois que vous avez téléchargé. Ça vous propose de tracer, donc j'ai jamais roulé ici, donc je fais ajouter une configuration. Donc là, le circuit surnaturel. Il avait préconfiguré Saint-Jean d'Angély quand même. Et ça, c'est un pilote élite. C'est pas mon boîtier, alors, parce que normalement, moi, c'est Glen Helen. Surnaturel, bon, petit peu de sol terre. Le sport, on choisit donc motocross. Il faut placer une ligne d'arrivée. Donc là, on va la placer. La... Oui, c'est bon. La table d'arrivée qui est là. Donc pour le placer, on met deux points. 1, 2. On fait enregistrer, là ça va sortir. Enregistrer, là, on met la ligne d'arrivée. Et là, ça va nous. On fait choisir cette configuration. Là, on met les conditions du circuit, donc on va mettre humide, puis enregistrer. Et ça va nous sortir l'historique de la session. Donc là, j'y reviens. Sur naturel, on voit le meilleur tour en 2.14, vitesse max 78. Et bon, là, j'ai fait que 3 tours du coup après la. Après la. Il y a eu un petit arrêt. Il y a un petit arrêt au troisième tour. Un petit arrêt au troisième tour. Donc, on peut voir l'historique, donc résumé de la session. Donc, meilleur temps, la vitesse max, vitesse moyenne, la durée totale, les conditions qu'on a remplies. Et les temps autour en 2.18, 2.15, 2.14. Et après, sur la vue GPS, comme je vous ai montré, si on zoome, on voit les différentes couleurs. Donc, vert là où c'est rapide, rouge plus lent. Et on voit là où on est passé à chaque tour. Tour 1, tour 2, tour 3. Donc vraiment pas mal pour un suivi de vos sessions, les temps chrono. Donc 2.14 sur naturel, après avant la chute, je me rappelle des copains comme Ludo Bompard qui font un peu l'élite, Julien Rousselet qui tourne dans les 2.12, 2.13, donc on n'est pas trop mal je pense aujourd'hui. Enfin eux, 2.13 sur le sec. Oui, 2.13 sur sec. Et toi 2.14 humide. Ouais. Ça chute. Je vous donne rendez-vous à l'ouverture de l'élite en 2022 du coup. Donc j'aime bien ce boîtier quand même, j'aime bien. Quand il parle comme ça les chronos j'aime bien. Donc on a pu faire que 3 tours chrono, je vais reprendre la piste. Je vais reprendre le roulage là, on va reprendre le boîtier, on va refaire une session chrono en faisant attention. Et je vais vous remontrer comment ça marche bien. On va voir si on peut améliorer les 2.14. Hein. Mais là j'ai des gros doutes. Allez, deuxième session du coup. On allume le boîtier. Ça clignote, c'est bon. On va voir après. La chute, les temps, ça va un petit peu refroidir pour être honnête.
et on va regarder les temps sur l'appli. Bon voilà, je viens de faire la deuxième session qui s'est mieux passée que l'autre. On va exporter les données du boîtier pour aller chrono. Donc j'ouvre l'application, donc Masterize. 15h15 sur notre téléchargé. Toujours avec Bluetooth et localisation activée sur le Android. 13 minutes. La session que je viens de créer. Donc là on voit le meilleur temps, donc en 2.13, la vitesse max 77. Et on peut, si on rentre dans le détail de la session, donc le résumé, meilleur temps, vitesse max, vitesse moyenne, la durée de la session, et on peut voir tour par tour les temps. Donc 2.16, 2.17, 2.20, 2.13, 2.18. Et donc après on peut voir en détail la GPS de chaque tour. Et on peut voir tour par tour où on est passé. Donc pas mal pour voir quelles traces sont les plus rapides, ça. Pour étudier les meilleures trajectoires et avoir le meilleur temps possible. Et prendre la pole. Donc là toujours les temps en 2.13 après la blessure. Ça va, on est toujours à ça de l'élite, je pense. Et en plus avec le style en piste, bon là par contre ce coup-ci un peu, je suis désolé, un peu sale. Mais pas déchiré. Pas déchiré. Après un gros volume et une mini chute. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous l'ai dit, vous avez un code promo, donc WILL277, 10% de réduction sur le site Masterize. Je vous mets tout dans la description et vous pouvez aller checker ça si ça vous intéresse. Bon voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Il y a pas mal d'encombre aujourd'hui lors du roulage. Mais voilà, marquez-moi en commentaire ce que vous pensez du boîtier, si ça peut vous intéresser ou quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, à très bientôt pour un prochain roulage, en espérant qu'il n'y ait pas de chute. Ciao. My heart breaks when you call my phone. Why can't you just leave me alone? I can't escape the